Allez, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour le 12, 13 ou 14, je sais plus, épisode de Mountain Blade Warband, mon let's play, sur ma chaîne YouTube. Alors, donc la dernière fois, on avait trouvé ces satanés bandits qu'on cherchait depuis le temps, et on les a paumés en fait, on les a simplement paumés, ce qui est très 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 énervant d'ailleurs, parce que du coup... Ils allaient trop vite, ils étaient 3, ils étaient juste 3, nous on est 47, du coup impossible de les choper quoi. Ah, ça m'énerve, ça m'a vraiment énervé, donc du coup j'ai fait une bonne pause. Tiens, j'ai une recrue, je peux l'améliorer. Ah oui, par contre j'ai plus de deniers, il faut impérativement qu'on retrouve de l'argent. Pour ça on va aller à Praven, on va aller voir ce qu'ils nous proposent. N'empêche, ça m'embête, c'était un tout petit truc, en plus on les avait quoi, on était dessus. Ah, ça y est, ça remonte. J'avais réussi à me sortir un peu ça de la tête, mais du coup là vu que je recommence. Oh oh, un banquet dans la grande salle de château de Thibaut. Ah mais non, c'est juste un château, donc du coup en fait il me propose de venir au château de Thibaut, même si je m'en fous en fait. Il est où? Vivancourt, Dergelon, Inde, Reinhard, Thibaut. Oh, c'est pas la porte à côté quoi. D'accord. C'est pas la porte à côté, ouais. Alors attendez, je suis où? Je suis par là. J'y serais bien allé, mais en fait ça sert à rien. Tout simplement parce que... Et il n'y a pas de tournoi dans un château. Et les tournois, c'est mieux parce que ça peut rapporter des sous. Quand on gagne. Alors la dernière fois, j'ai pas gagné, c'est dommage. Donc on va plutôt se rabattre. Ah tiens, il y a un tournoi. Pourquoi pas? Allez. On y va? On va pas parier beaucoup, on va parier 10 deniers, c'est histoire d'eux. Hein. Génial, évidemment. C'est avec des lances. Boum. Qu'est-ce que ça essaie de me faire, toi? Oh oh. Alors, est-ce que tu vas le tuer, toi? Non, faut que je t'aide. Comment ça, je l'ai pas assommé? Ah, j'ai fait 48 points de dégâts. Ah, attendez. Voilà. Il a touché mon cheval. C'est pas très grave. Alors là, Bob, vous êtes aux prises tous les deux. Faut que je vise le jaune. C'est pas gagné. Voilà. Plus qu'à viser les deux là-bas. Alors toi, t'as intérêt à prendre celui de droite, hein, parce que sinon, si on se prend tous les deux le même, ça va le faire. Ah ah. Ah, pousse-toi. Du coup, il va falloir faire le tour, encore une fois. Ah, j'aime pas ce genre de tournoi, quand même. Allez, vas-y. Du coup, là, il me sert de tampon. Allons-y. Touché. Bon, ça va, je m'améliore un peu. On va parier, on va remettre 10 deniers. Hein. Alors, se battre au tour suivant. Alors, évidemment, c'est un 2 contre 2. Ah! Comment ça, des garros? Ah, d'accord. On n'est pas que... Allez, je pensais qu'on était moins, quand même. J'aurais dû lire le nombre de personnes. Bon, ça, c'est fait. Non, pousse-toi! Je vais passer. Alors, il a survécu. Ok. Déjà pas mal. Toi, par contre, tu vas morfler. Boum! Ça, c'est fait. Allez, hop. Le bleu est coincé. Quoique, non, il est pas coincé. Oh, pff. Voilà. Ouf, c'est pas passé loin là. Je pense qu'il pouvait m'assommer. Mais c'est passé finalement. Alors, attendez, là il y a moyen de le faire. Bouh, ça c'est bien ça. 172 points de dégâts. Oh mon dieu. Ça fait vraiment mal. Alors reparier 10 deniers. Hein. 16 participants, 3 équipes avec chacune 2 combattants. Ah, oh, j'aime pas. Laissez-moi tranquille. On va essayer de tourner un peu. Allez, le jaune,
T'es mort. Waouh. Ouf. Mon cheval a bien morflé aussi. Alors, du coup. Un jaune de moins. Bientôt le deuxième. Ou le vert. Le vert. Du coup, on est à 2 contre 1 et 1. Ça ira. Bon, bah je m'améliore en fait. Plus ça va, plus je m'améliore. Paf. Je disais quoi? Allez. Demi-tour. Ouf. Raté le fauchage. Voilà. Oh, et puis là, le vert, tu vas morfler. Hein. Je te jure, tu vas prendre. Ah, je vois rien. Mon casque. Bon, bah, ça va. Nickel. 8 participants restants. 3 équipes avec chacun des combattants. Bon, bah, on parie. Hein. Allez, faut que ça passe. Faut que ça passe. Alors, évidemment, ils viennent d'assommer le bleu, hein. C'est ça, essaie de me faire des dégâts, t'auras du mal. Alors, du coup, le mieux, ça serait que j'assomme un vert. C'est fait. Comme ça, je suis à peu près tranquille, vu que là, ils peuvent se battre entre eux. Voilà, et nous, on peut foncer dans le tas. Boum. Tiens, c'est pas celui que je visais. Oups. Allez. Fais-moi plaisir. J'ai dit quoi? C'est pas du tout mis au bon endroit. Enfin, en tout cas, ma lance s'est pas chargée au bon moment. Tiens. Toujours essayer. Pousse-toi. Voilà. Petit demi-tour. Et hop, on est derrière lui. Non. C'est pas possible. Cheval tout pourri. Ah là là. Du coup, on se retrouve devant lui. Hop, petit demi-tour. Et on est reparti. Non, mais là, ça va pas aller si tu fonctionnes pas à la lance. Dire, j'ai quand même besoin d'un petit peu de... Ah, tiens, nickel. Bon, mais... C'est pas possible. Je crois qu'on va essayer juste de viser le canasson, hein, et on le fauchera après. D'accord. Pas cette vitesse, évidemment. Et ben, il me donne du fil à retordre, celui-là. Tiens, voilà. Non, mais... Je pouvais l'avoir. Il les donne en pif, là, je pouvais l'avoir. Ah non. Ah non, mais ça c'est idiot quoi. Pousse-toi. Oh là là. Jusque là tout allait bien, mais alors là... Ouais, ça y est, il recharge. Évidemment, je suis toujours derrière lui. Hein. Sinon c'est pas drôle. Allez, viens là. Avant, c'est moi qui me prends des dégâts en plus. Allez. Voilà. Allez, cette fois-ci, je t'ai. J'ai dit quoi? Évidemment, si je fais 0 points de dégâts au cheval. Tiens! À ton tour d'avoir des conneries comme ça. Dire je comprends pas, normalement tu devrais largement pousser le cheval ou faire quelque chose comme ça. Mais non, 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 il n'y a rien. Ah vache. En plus il me fait des petits dégâts au fur et à mesure là. Ah, casse les pieds. Mais passe devant moi. Pff. Dire si je tourne autour de toi c'est pas pour rien quoi. Tiens, voilà, esquive de fou. Non mais... Cheval de...
bouse, pour rester poli quoi. Mon dieu, j'en ai marre. Oh la vache, ça fait 3 minutes que je me bats avec lui, et pas foutu de lui foutre un coup quoi. Ah et puis en plus il m'en met un bon là. Mais, je l'ai... Oh. Tiens. Non mais, 6 points de dégâts seulement. Tu te fous de moi? Dire, il y avait bien plus là. Boum. 20 points. On y est presque, on y est presque, on y est presque. En tout cas, je l'espère. Bon, attendez, on va faire le demi-tour là-bas. Hop, ça y est, à moi. Raté. Mais alors là... Dire, il est mourant, quoi. Allez, on recommence, rebelote. Je commence à en avoir marre, je suppose que vous aussi. Je peux pas faire sans quoi. Allez. Cette fois-ci. Voilà, ça y est. 152 dégâts. Pff, ça m'a saoulé. Deux équipes avec chacun deux combattants. Allez, on se bat. Alors toi, tu te fais pas assommer au premier tour. Boum. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Tiens, occupe-le au lieu de... d'essayer de le taper comme une débile là. Je sais pas qui t'es. Cradus. Il est pas avec moi, Cradus. Non, ça va pas aller là. Un truc qui va pas. Allez, go. Infliger des dégâts au cheval là. Allez, go. Boum. Bien tué là. Allez le dernier. On devrait y arriver. Cradus. Ah tiens, prends ça. Bon d'accord. The big fail. Bon bah ça va refaire la même chose, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec le même schéma qu'avec l'autre. Oh, là il a contré. Allez. Ouh. Dire il apparaît avec son bouclier. La prochaine fois, ça va payer. Parce que du coup, il n'avait plus de bouclier. Ah non, t'es sérieux là. Mais oui. Il a pris 38 points de dégâts dans la figure. Ah bah voilà. Boum. Allez. Boum. Il suffit de faire ça quoi. Mais t'es foutu là, attends. Je t'ai enlevé quoi? Plus de 50 points de dégâts. Voilà. Pas trop tôt. Bon. 398 plus 200. 500. Ouais, 598. C'est pas mal. Moi j'ai envie de dire, c'est correct. J'aurais bien voulu parier plus, mais j'avais pas assez au cas où. Un rançonneur. Est-ce que j'ai pas des prisonniers? Je m'en fous. Oui, je sais. Ah bah non, j'ai pas de prisonnier, ça veut dire. Ça veut juste dire que j'ai pas de prisonnier. Bon, d'accord. Attendez que je regarde. Du coup, il y a personne. J'ai pas monté de niveau. Ah bah on va se promener dans les rues, on va aller demander une quête. En espérant que cette fois-ci, il ne me demande pas d'escorter du bétail alors qu'il n'est pas là. Ou que je l'oublie, tout simplement. C'est pas ici. C'est où déjà? Je crois que c'est ici. Ah non, c'est pas ici.
Oh, je sais plus, je crois que c'est par là-bas. J'en suis même pas sûr, quoi. Ah si, c'est par là-bas, c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai, et puis ici, on peut monter à cheval. Chercher la logique là-dedans. On peut pas monter à cheval dans les autres escaliers, mais ceux-là, ils sont plus abrupts et plus grands, mais on peut monter. T'aurais pas un travail? Dans un camp pointu près de ce bourg, il y a peu, et chaos que ça a engendré, a amené certains de nos hommes, les habitants les moins honnêtes, à essayer de faire fortune en pillant les boutiques. Ok, d'accord. Vous voulez que juste que je tabasse sur tout le monde. Eh ben, on va la faire. Ah, 23. On va se faire les 23 pires. Mais laissez-les moi. On va aller aider les armées. 125 contre 19. Oh mon dieu. Ça va tenir plus du carnage que de chose. Hein. Qui même me suivent? Vous m'aimez tous? C'est super. Ça va être assez énorme. Ouh. Bon d'accord. Attendez, j'ai pris le réflexe de la lance et du coup là j'arrive plus à taper avec mon arme. Comme c'est un gameplay différent. J'ai tendance à faire que des coups d'estoc, du coup. Boum. Oh, mon cheval il a pris cher là. Boum. À la tête. Ah, zut. Voilà. Boum. Raté. Non, non, pousse-toi là. Voilà. Ching. Ching. Je défonce tout là. Je suis connard le barbant. Ou connard le barbare. Comme vous voulez. Allez. Non mais, laissez-le moi. Ils sont même pas drôles. Il en restait un là. Ah oui, il est là. Non. Je le voulais. Il était pour moi. Il était pour moi quoi. Tiens, pour la peine dans la tête. T'es content, hein? Tu m'as aidé. Sauf que moi, je voulais tous les tuer à ta place, mais c'est pas grave. 11 deniers. Wouhou. Ah, des soldats sont prêts à être promus. Milice infantassin, tiens. Alors, faut que je trouve d'autres groupes qui sont tirés par là. Ils sont tirés quelque part sur la carte, mais où? Bonne question. Ok. Ah bah ils sont tirés, mais en tout cas, ils ont surtout disparu en fait. Hein. Oh, c'est bête. Caravane des Nords. Est-ce qu'on peut... Ah bah zut, je voulais voir si on pouvait pas attaquer les caravanes, histoire de déclencher un peu une guerre. Ah si, on peut essayer. Est-ce que t'aurais pas vu un groupe de bandits? Ok, d'accord. Je demande quelle compensation. Il faut payer. Je peux vous donner 200 de deniers. Bon bah on a gagné 200 de deniers. Tranquille. Bon bah voilà. Bon j'ai un peu détérioré mes relations avec Kyrgy Khanat, mais bon je m'en fous. Je m'en fous totalement. Au pire si ça déclenche une guerre, c'est pas grave. Hein. Les pays mercenaires, ouais y a personne ici en fait. Jérémus. Un nom pourri. T'as un nom pourri. Alors, si on revenait un petit peu. Ah oui, j'ai pas regardé, il faut que j'aille... On va aller voir à Pagundur, où est-ce qu'on ça en est la construction. Du coup, j'ai plus aucune idée de là où ça en est. On va aller voir ça. Ah, attendez, je regarde le chrono. Ouh, bah, ça pense que ça va être dans le prochain épisode. On arrive au bout des 20 minutes, à peu près. Hein. Bon, ça a été pas mal de minutes de tournoi, et donc pas mal de minutes à tourner en rond, un peu, j'ai envie de dire. Et je suis le premier embêté, parce qu'en fait, je suis nul. Vraiment très nul à la lance. Je suis bien plus fort avec des épées. Que ce soit épée à deux mains. Enfin, je préfère les épées à deux mains quand on est... Quand on est en tant que fantassin. Et les épées à une main quand on est... en cavalerie. Franchement, je préfère ça. Parce que c'est plus maniable sur en tant que cavalier. Mais les épées à deux mains, c'est franchement ultra puissant. Je pense que je vous en ferai un petit peu des batailles en tant que fantassin avec des épées à deux mains. C'est assez énorme. Ah ouais, d'accord, 33 jours, c'est encore loin.
Bon, bah ça y est, ça fait 20 minutes. Tiens, un homme du clan Rodok, pourquoi pas. C'est marrant, ici, ça devait être un... Ça faisait de faire partie des Rodok, en fait. Du coup. On va remonter à Excal. On va remonter à Excal. Oh non, c'est pas nous, c'est une déclaration de guerre, mais c'est pas nous, c'est Vaeger et Nord. On n'est jamais en guerre, en fait. C'est nul. C'est un peu nul. Ah, attendez, je vais juste voir si... Qu'est-ce qu'il fout là? Il y avait un 77 vert, donc Rodok, qui se baladait dans le coin autour de ma ville. Bon bah, il a disparu. Ok, d'accord. Bon, bah on arrête là cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis, etc., etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous!